Ah, oh, mais bonsoir, je suis Lord Poulpi. Comment ça va-t-il bien? Ouais, ça va bien. Alors, alors, depuis la dernière fois, pas grand-chose, hein, ma foi. Toujours 8 jours. J'ai rien fait d'autre, donc nous allons attendre que le temps passe, comme des malheureux. Ah, il y avait longtemps, champ de bataille, ressources, je vais enquêter parce que ça fait un moment qu'on n'a pas enquêté quand même. Eh ben oui, il faut un peu bosser les gars là. Ça chie dans la colle, si je peux me permettre. Allez, 7 jours, parfait. Ah, comment ça? Interception imminente, encore? Ah non, eh oh! Fous de ma gueule ou quoi? Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Ouest. Il est même pas là le truc. Ah putain, il me suit. Ah non, ça va pas recommencer. Ouais, c'est bon. On l'a évité. Ah, t'es nul, barre-toi. Putain, ils m'ont fait peur. Ah non, pas encore une attaque. Hein. Interception bon, évitée. Commandant. Oui? Nous ne captons plus le signal de l'OVNI. Ah, c'est bien. Du nouveau cap du Talion. Ah, il m'a fait flipper. Ça va bien, eh oh. On va pas m'attaquer à tout bout de champ non plus. Bon, en même temps, il me cherche. Moi. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. D'accord. Nouvelle installation disponible, salle de décryptage. Ah ouais, c'est pas fini, quoi. Faut... D'accord. Super. Cette salle permettra au docteur Taigan et à l'ingénieur en chef Shen de décrypter les plus précieux secrets des extraterrestres. Ouais, bah ça va pas être pour tout de suite. Ça va pas être pour tout de suite du tout. Ça sert à quoi, ça? Établir des relais terrestres afin d'être transportés. Une couverture plus large, plus facilement avec les régions extérieures les plus éloignées. Ça, je vais le faire pour atteindre leur base, cette là. Cette technologie devrait nous donner accès à il y en a une aux États-Unis, 4 jours utile. En plus. Je veux dire, voilà. Je vous enverrai un rapport dès que l'on recherche. Allez, envoie-moi un rapport, ouais, c'est ça. Je le lirai pas, à la foutre. Construire la salle de décryptage. Maintenant que nous comprenons un peu mieux les méthodes de cryptage des extraterrestres, moi je cherche pendant ce temps-là. Nous pouvons construire une installation spécialement dédiée à l'analyse des matériaux que nous trouverons en lien avec leur projet Avatar. Je suggère que nous commencions sans attendre, commandant. Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Relais radio disponible. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Relais radio disponible. Attends, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Je suis un petit peu inquiet là parce que je vais faire ça. Attends, ça veut dire que j'ai construit quoi là? Cette j'ai construit de la merde. Technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Oh, j'ai construit un relais de puissance. Oh mais quel blaireau, putain, je me suis planté. J'avais pas de relais radio depuis le début. Ah, j'ai cru que c'était. Oh bah d'accord, bah je vais en avoir deux. Bon, en même temps, j'en ai besoin. Oh, ça saoule. Oh, j'ai chié dans la colle. Ah non, c'est pas bien là. C'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, en même temps, j'ai de l'argent. Il n'y a pas de salle vide là. Oh là là, bah voilà. Bah comment voulez-vous que je gagne, moi, si je fais n'importe quoi? Relais radio, moi, je sais pas. Tout se ressemble. Nous pouvons désormais bien construire sûr. Des relais radio dans toutes les régions où nous avons établi un contact avec la résistance. Ah. Commandant, nous avons la position d'un ovni vulnérable qui s'est posé dans cette région. Si nous faisons vite, nous pourrons récupérer des ressources et du matériel à bord de ce vaisseau. Ah, ils font une pause pipi? On va les défoncer. Mettons le cap sur l'Indonésie. Là, d'abord, on a une mission à faire. Autant vous dire que ça va chier les bulles. Ils nous ont attaqué notre vaisseau, on va attaquer un des leurs. Ça leur apprendra un petit peu. Non, mais oh. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, on a Mr. T en grenadier. Je crois que je vais le prendre. On a Snake Plissken en Ranger. Sorry, il faut que je le prenne. Silvio Vega. Grenadier aussi. Ça, c'est les petits nouveaux. On va en prendre un. Je vais prendre Mr. T. Et. Est-ce bien raisonnable de prendre deux? Bon, c'est une deuxième classe, c'est pas des grosses quiches quand même. Je vais prendre Tatiana, une professionnelle. Important. Tac tac tac. Toi, est-ce qu'il va y avoir? Ouais, c'est pour les robots, les tourelles. Ça peut servir, elle peut servir, elle peut pirater les tout le bordel là. Elle peut carrément servir. Qui veut des munitions enflammées? Ah, tout le monde en veut. Mais personne ne pourra pas en mettre pour tout le monde. Et non. Voilà. Alors, Snake Plissken. Alors lui, j'ai de grands projets pour lui. Je ne vous le cache pas. On va lui mettre un gilet nano schnouf. Nanométrique.
À toi, est-ce qu'on peut te... Munition dragon... Ça serait drôle en même temps. Ouais, ça serait marrant, ouais. Mais non, c'est de la merde. Non, non, tu la mets au sniper, parce que... Voilà, parce que c'est mieux et puis c'est tout, hein. C'est logique. Je sais pas sur quoi je clique à chaque fois, mais ça fait des drôles de bruit. Ok. Bon, on peut en mettre d'autres, sinon on va reprendre un... Mais un jack, ça sert que... Ça sert sur quoi? Aux implants neuraux de certains ennemis, ne peut être utilisé que corps à corps. Ça ne va à rien, ça. J'ai deux medikits. Je sais même pas. Incroyable, j'ai deux medikits. Ah, c'est cool. Eh ben, c'est bien. Bah, elle est belle cette équipe ou pas? Ouais, moi, elle me plaît. Bon, y a, par contre, il y a deux deuxième classes. J'ai rien contre eux. C'est mieux que des recrues. Mais... on s'en fout. Allez, on va y aller. Ils ont tellement de swag, hein, n'est-ce pas? Que je veux dire, c'est la fête. On va faire extra gaffe et puis c'est tout. Escouade parée au déploiement. Allez, roule, on y va. On va récupérer des trésors. La résistance mène des opérations contre les extraterrestres dans ce secteur. Et ils ont réussi à neutraliser un ovni au sol. Ah, ils l'ont abattu. Nous allons sécuriser le site. Éliminez toute résistance hostile et prenez tout le matériel que vous trouverez. C'était donc pas une pause pipi, j'étais mauvaise langue. Ok, ça me va aussi. Ça, c'est beau, ça. Une belle attaque de vaisseau. Ah, on n'est pas en mode furtif? Ah, oh, ça me rappelle le 1. Menace 1-5, enfin, coordonnées du site de l'OVNI verrouillé. Sécuriser la zone et neutraliser l'ennemi. Ouais, d'accord. C'est gentil de nous dire ce qu'on doit faire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Espèce de ringard. Enemy patrol on the move. D'accord, direct. C'est quoi ça? Deux points d'armure. Sympa. Sympathique. Alors... Confirmed. On va leur faire une attaque surprise, les gars. I'm on it. Je les plains. Je les plains, oui et non, parce qu'en même temps, je les déteste. Donc, enfin, je les plains pas du tout. C'est bien fait pour eux. Hop là, on est bien. Est-ce que tu peux grimper là-haut, toi? Y a pas trop de couvert, hein. On serait loin pour tirer. Non, hein. Non, tu vas te mettre là. C'est sûrement mieux. Ouais, on est à portée de tir de tout. Ah, on va attendre de voir ce qu'ils font un petit peu. Ils ont pas l'air bien stressés pour des aliens qui se sont fait dégommer. Ils en ont même rien à foutre, c'est pas pareil. Ça me plaît pas. On va ouvrir les hostilités. Avec Tatiana. Direct. On va faire un œil de lynx. Dans le codex là, 66%. Allez, ça roule, on va le foutre en feu, il va canner, et on n'en parle plus. Voilà, 16. Ah bah, il est ton clone. Ah bah, t'as pas de clone. Je devrais même pas être repéré, tellement c'est propre. Ouais, si pourtant. Le jeu est pas très très gentil. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se prend pour qui? Ah, on n'aura pas le temps de voir ce qu'il fait. Et il a un gantelet qui fait de la lumière, là, je veux le même. Oh, Mr. T, il a chien, quoi. On peut le dire. Ah, tout le monde va sortir là. Oh, ils pètent leur propre vitre, on les entend. Ah, qu'est-ce que t'essaies de faire, toi? Allez, boum! Oula. Heureusement qu'il n'y a pas de tirami, hein, putain. Mais pourquoi tu bouges d'ailleurs? Pourquoi tu tires? T'as le droit de faire ça? T'as des grenades, toi, maintenant? Mais ça gruge. Tu mérites tellement la mort. Ouais, c'est ça. Ouais, Tatiana est pas contente et moi non plus je suis pas content. Ah, qu'est-ce que c'est? Menace 1-5. Ah, une balise. Vous devez capter un signal provenant de l'OVNI. Oh, 6 tours. Une sorte de balise de détresse. Chiot. Vous devez entrer dans ce vaisseau et couper le signal avant qu'ils n'envoient toute leur flotte à nos trousses. Ah bah, t'es marrant, toi. 6 tours. Fous de ma gueule. Ok. J'aime pas beaucoup cette mission, je la sens pas. Bon, ça m'a remonté le moral. Il a tellement chuté comme une merde. Target down. Bien dit. Allez, on avance.
6 tours, faut se rapprocher, faut être un petit peu offensif, parce que ça passe vite. Même si, attends, même si en même temps, c'est pas très loin, mais bon. Mais quand même. Got it covered. Allez, hop. Technique du croisillon magique. Parfait. Tatiana, hop. On va pouvoir voir par les fenêtres comme ça. Pour l'instant, ça bouge pas. Oh bah tant mieux, écoute. Bon, on va recharger. Bon, 5 tours. Reloaded. Alors, si jamais on ne désactive pas le bordel, c'est foutu. Priorité absolue, grenade, tout ce que t'as. Tu... Pourquoi y a pas de couvert, là? Roger that. C'est sûr qu'il n'y a pas de couvert. Ouais, il faut manger avec ses doigts. Fin. Ah, c'est génial. Alors... Oh non, mais des fois... C'est pas facile tous les jours, vous savez. Oh yeah. C'est une porte, ça? Ça se mange? Je vois pas de... Je vois pas de machin, là. C'est pas une porte, ça, hein? Attends, ça y ressemble. Non, c'est un mur. C'est un mur. On rentre par où, alors? Au bout d'un moment. Ah, on peut rentrer par là, d'accord. En mode pas de respect, je rentre chez toi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Lisbeth, elle a pas de respect. Elle va donc rentrer chez eux. Et là... Là, ça va, c'est bon, tranquille. Ah, c'est quoi, ça vous fait zone mortelle? Ça, faut que je pense à regarder ce que c'est. Bon, peut-être pas sur cette mission, mais... voilà. Il faudra y penser. Bon, 5 tours. Ça va être 4 tours, ça craint. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font des trucs. Ouais, donc on peut vraiment pas rentrer par là. Donc, Mr. T, 0. À chier. 4 tours. Bon, toi, faut que tu... qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on va rester groupé. Hein. On va arnaquer les conneries. On reste groupé. Voilà. Comme ça, s'il y a une grenade, on se la prend bien tous. Et ça fait... C'est pas une porte, ça, non plus. Eh, mais les gars, vous êtes bigleux, hein. C'est chaud. Allez, on rentre. À la foutre. Ah, faut y aller au bout d'un moment. Oh, y'a personne. Que tu crois qu'il y a personne? I'm on it. Innocente, tu sais pas. Tu sais pas que tu vas te faire déglinguer dans pas longtemps. Ça, c'était pas une bonne idée. Non, à mon avis, c'est une idée qui pue la merde. Ah non, c'est bien. Ah non. J'aimerais bien examiner leur ordinateur de bord de plus près. Oui. Le nôtre aurait besoin d'une bonne mise à niveau. Bah écoute, si on pète pas tout, tu pourras. Ok. Oh, ils sont même pas... Ils sont dans la salle ou pas? Mais désactiver... Ah non, faut y aller, quoi. Ah d'accord, faut y aller. Faut la pirater, quoi. Je peux pas le faire à distance avec... Attends, où est-ce qu'elle est? Je peux pas pirater. Protocole de scan. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Attends, on va se mettre là. Non, faut se mettre à côté. Il y a les petites étoiles. Il reste 3 tours. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Menace 1-5, c'est la balise de détresse. Allez. Intervenez et désactivez-la avant que les extraterrestres trouvent l'OVNI. Ah voilà. Bon, s'il y a que ça, ça va. Il bouge pas. 3 tours, ok. C'est carrément faisable. De toute façon, le prochain tour, je me mets à côté du truc et puis... c'est tout. Ah, je peux pirater un peu de travail. Oh, génial. Eh ben allez, ça sera fait. Ouais, carrément, vas-y, envoie ton robot. Hop là, petit robot. Tac, tac, tac. Ah, il est dégoûté, l'autre. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Tu comprends pas? Bah t'es bidon, qu'est-ce que je te dise, moi. Vous trouvez un indice de mission sur la station extraterrestre, c'est bien. Les revenus reçus de la région actuelle augmentent de 25. 25, non. Je préfère avoir un indice et je l'aurai pas, et je suis déçu. Voilà, bon, ça c'est fait, j'en ai tranquille. On n'a plus la limite de temps à la con, là. On va pouvoir les déglinguer tranquillement. En théorie. Et ça m'a même pas coûté d'action. Nous avons coupé leur signal de détresse. Génial. Le ciel a l'air calme. Ah, ça marche pas. Non, d'accord. Il m'a feinté le jeu. Il m'a fait croire des choses qui ne sont pas possibles. C'est pas très sympa de sa part. Bon, si tu vas là, t'ouvres pas la porte, hein. Non, t'ouvres pas la porte. Oh, on les prend en tenaille, ils savent même pas qu'on est là, on est trop fort. Hey, deuxième classe contre la classe. Deuxième classe. Alors, si je fais une zone mortelle, comment ça marche, tu vois? D'accord, je fais un gros cône. Ah, et là, dès qu'il... Oh, on va le faire, écoute, on va voir. Hein.
Donc en théorie, s'il bouge, s'il respire, s'il pète, je leur tire dessus, c'est ça? Il a tiré, il est mort. On va voir combien de fois ça marche. T'es mort. Voilà. Bon, ça c'est la théorie, mais ça n'a pas marché. Bon, on va voir pour le deuxième. Parce que le deuxième, là, il va bouger, là, le deuxième en bas, là. Ah, t'es mauvais. Il est mauvais. Voilà. Oh, ça remarche! Mais c'est génial! C'est une vigilance améliorée, quoi. Et le tout... Bon, ça touche pas. Mais le tout au fusil de précision, hein. Ah, c'est bon! Oh, ils ont pété... Ah non, ils ont pas pété l'ordinateur, c'est bon. Bon, ok, ils sont à chier. Il reste le lancier. Les renforts, il n'y a pas d'en avoir. Aïe! D'accord, ça triche. Désorienté, ça fait quoi? Je ne sais pas. C'est pas trop grave. Allez, debout. Et je recommence! Oh là là! Et ça touche toujours pas. Bon, d'accord. Décidément. Ça m'a pas l'air... T'as plus de munitions par contre là. Ah, t'as tout cramé, t'as tiré 3 fois. On t'a vu. Si je joue ça, c'est gratuit? Rassure-moi. Oui, c'est gratuit, hein. Bah oui, quand même. Hop, t'es mort. T'es le chef, t'es mort. Voilà, ça prendra. Snake Plissken n'aime pas les gradés. Bon, il en deviendra un lui-même, mais c'est pas pareil. Ça compte pas. Il n'aime pas les gradés ennemis, quoi. Et c'est bien normal. Meurs ! Ah, c'était bien ce que t'as fait. C'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas facile à louper, n'empêche. On peut lui reconnaître ça. Ah ouais, t'es désorienté, donc tu fais du caca, d'accord. Et bah oui, pourquoi tu le tires pas sur lui? Pourquoi il est gris? Je ne sais pas. Tu vois, même désorienté, t'y arrives. Parce que t'es une petite camée, t'es habitué à la tête qui tourne. Ouais, si, si. Je te connais. Ah, t'as plus de munitions. C'est malin. Tiens, fais-lui ça, ça va le calmer. Voilà, prends feu. Je l'ai touché ou pas? J'ai rien vu. Ah, il est en flamme! Oh, il est dégoûté. T'es dégoûté, hein? Ah, t'es dégoûté. Allez, brûle, brûle en silence. Ah bah tiens. Ok, ça a pété. Ah bah la mission est finie. Ouais! Bon, ça va, y'a pas grand monde. Ah, ça fait zizir. Ah, non, c'est pas fini. Je crois qu'il y avait plus de machin, là. Dommage. Ah, c'est triste. 3 sectoïdes. C'est chiant. C'est chiant. J'espère qu'ils jouent pas tout de suite. Sinon, ça va être... Mais pourquoi tout pète, là? C'est que dingue, les mecs. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux contourner... Est-ce que je peux me faire du sectoïde au sabre? Je le sens bien, lui, au sabre. Tu vois? C'est toi. Allez, je te sabre. Allez, Snake. Moi, Snake, il est comme ça. C'est un bourrin. Enfin, c'est pas un bourrin, c'est... Voilà, il a la classe. Disons qu'il a la classe. Toute action qui implique de la classe, faut qu'il soit là. Mais la prudence aussi. Bon, là, c'est pas prudent. Mais... Il a de la couverture, regardez. Il y a Mister T qui est là. Qui va se mettre là. Comme ça, l'autre, plus de couverture, il va pouvoir chialer. Ah, t'as plus de couverture, t'as froid, tiens. Ça va te réchauffer, un petit peu de plomb. Bien sûr, hein, il a une arme de merde. Donc il ne le tue pas. On dirait qu'il en a rien à foutre, lui. Oh, je me suis pris 5 points de dégâts. Oh, ça va. Aucun respect. Aucun respect, ces aliens. C'est pour ça que je dois les tuer. Il mérite pas de vivre. C'était grosse merde. C'est bien ce que t'as fait. Ouais, c'est bien. Comment? Pourquoi tu... Pourquoi? Ok, je ne sais pas. Alors, protocole de soutien, protocole de scan, blablabli, blablabla. Eh ben, je suis bien déçu. Tiens, tu m'achètes une grenade. Non, je déconne. Non, 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 on pète pas tout, on se calme. Non, mais là, ça fait chier, là. Bon, vigilance. Ça m'énerve. C'est très énervant. Tu meurs, je suis énervé. Ok, je suis encore plus énervé maintenant. Regarde-moi ça. Pourriture. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu fais de la merde. Ça sert à rien. Tu fais un zombie, je te vois. Mais ça sert à rien, t'es mort. Tu comprends pas ça? Tu vas te prendre un coup de sabre là. Ah, il comprend pas. Bon, et l'autre, il va faire quoi? Oh là là, il s'est croûté quoi. Aussi il va faire un zombie. Oui, on dirait bien.
Ah, ça marche pas. Si ça marche. Ça marche. Ok, bah c'est bien les gogoles. Bravo. C'est bien ce que vous faites. Ils me font de la peine. Ils me font énormément de peine. Toi, tu vas te prendre un coup de sabre. Oh que si, tu vas te prendre un coup de sabre. Où est-ce que t'es? Attends, où es-tu? On va tuer là. Allez, Snake, enchaînement. Pff, katana. Hop là. Ah, t'es pas mort. J'ai pété le mur par contre. Quelle force. Mais il est pas mort, c'est chiant. C'est chiant. Bah viens là. Les zombies, on a dit qu'ils grimpaient pas, je suis en hauteur, ils vont. Ils sont en tristesse absolue, je pense. 59%. Allez, tu tues quelqu'un s'il te plaît. Ah, tu veux pas, y'a rien à faire, hein. Tu veux rester deuxième classe toute ta vie toi. Et moi je suis pas d'accord. Hein. Je veux t'appeler Major Barracuda. Parce que Barracuda sera ton surnom. Ah c'est original hein. C'est vachement original. Et pourtant, c'est ce qui va se passer, et puis c'est tout. Bon allez, quand on n'a pas le choix, faut y aller à la bourrin, y'a que ça à faire, quand on est entouré de gros nazes, voilà, ouais, dégage, ouais c'est bon, un zombie en moins, il fait Michael Jackson un petit peu, c'est obscène hein, je suis content de l'avoir tué, c'était trop obscène, et puis toi, bah... ah non merde, ah, c'était jaune, fallait pas cliquer, ouais bah voilà, tu connais pas les règles, bah t'es morte, tout le monde est mort. Aïe. Oh, il tire sur Barracuda. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle du plus fort de l'équipe, c'est ça? Oh non, Barracuda, tu paniques. Non, mais arrête. Mais personne ne fait ça. Non, il s'appelle Mister T pour l'instant. Quand il aura sa crête, il s'appellera Barracuda. Là, il n'a pas le droit d'avoir la crête. Faut qu'il soit sergent minimum. Ah, je sais. Le jeu est dur. Tu veux une crête? Non, tu peux pas. T'as pas le niveau. Ouais. C'est triste, hein? Hop, Snake esquive. Pff, il ne peut même pas attaquer, quoi. Oh non, ça me fait de la peine, il allait. C'est moche. Snake, il aime pas les zombies. Tu me regardes pas comme ça! Non, ok. Décidément. Je loupe tous mes effets. Tous mes effets pyrotechniques. Voilà, t'as plus de zombies. T'es tout seul. Triste. Et maintenant, je peux te faire ce que je voulais te faire. Ah, tu vas le sentir. Roquefort. Tiens, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait vigilance? Je crois. Bon, comme ça, ça fait un peu de suspense. Oh là. Oh, putain, j'ai eu peur. J'espère que c'est les derniers, n'empêche. Bon, je pense. Ce serait bien les autres. Depuis le temps, là. Panique annulée. Ah, bah voilà, tu vas pouvoir faire un kill. C'est exactement ce que je voulais, c'est pour ça que... Monsieur. C'est pour ça que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Sauf que tu n'as plus de balles. Alors, 50%. Allez, tu fais un kill, s'il te plaît. Pour moi. T'es mignon? Mais oui, t'es mignon. Allez. Voilà, bah tu vois. Bah tu vois que tu pouvais le faire. Bah, c'était pas compliqué. Et là, c'est fini. Ouh. Oh, il y a du matos, là. Alors là, il y a du matos. Là, si on récupère pas tout le vaisseau... Hein? Ouais. J'espère qu'on va récupérer tout plein de trucs. Pas déconner, quand même. Nouveau record de dégâts moyens par attaque. La folie. Malgré toutes les chiures de Mister T. Ça fait pas du tout vulgaire la cigarette comme ça. Non, pas du tout. Allez. Plus offensif Mister T quand même. Hein. Ah, comme quoi. La réussite n'était pas là, mais l'envie était là. Et ça, c'est important. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir... Pardon, alors ça commence. Non, j'ai le temps. L'envie d'avoir envie. Ah, magnifique chanson. Dommage que je ne connaisse pas les paroles. Oh là là, la promotion de partout. Bah, sauf pour Tatiana, hein, mais c'est normal. Elle est tellement gradée que maintenant... Au-dessus, ça n'existe pas. Alors, Snake Plissken, toi, tu es un fantôme. Bah c'est tout, oui, forcément. Alors, Barracuda, tu vas nous faire rire, je sens. Rembourrage ou perforateur? L'attaque de votre arme, canon, détruit ses armures. Je vais te mettre. Je vais te mettre rembourrage, toi. Car tu vas être résistant. Tu vas être un rock au milieu du champ de bataille. Oula, dépression. Non, elle s'est endormie. On l'a fait chier, apparemment. Surtout moi.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tir de couverture. Les tirs de vigilance se déclenchent pour toutes les actions ennemies, pas seulement les mouvements. Ok. Évaluation du danger. Désormais gagné... Ah, c'est pas le début, ça. Le protocole de soutien fait désormais gagner à la cible un tir de couverture en mode vigilance. Mais le temps de rechargement du protocole augmente d'un tour. Un cible d'un tir de couverture en mode vigilance. Ouais, le truc, d'accord, le petit robot, là, quand il te rajoute plus 20 de protection, là. Je sais pas. Non, tir de couverture. Elle aime bien tirer partout, quand même. Et bien voilà. Ah, il est debout, Mister T. Caporal. Caporal Mister. Caporal T, comme on veut. Noeud Delirium, cadavre, on s'en fout, cadavre, on s'en fout. Allez, ça intéresse, 99. Ah ouais, Crystal Delirium, bien. Ressources, 148. Alors là, je vais pouvoir construire chier de trucs. Recherche débloquée, gratos, c'est ça, instantané. Ah non, bouclier, pardon. C'est un nouveau alien. C'est un nouveau alien. Je vais le faire tout de suite. Non, je vais construire tout de suite des trucs. Je viens avec vous, comme ça. Ah, commandant. J'oublierai pas. Je peux faire le canon magnétique, je vais être obligé, hein, 150 ressources. Et ah, non, les restes, faut que je les. Il y a ça aussi, c'est vrai, 90. Parce que j'ai aussi la recherche à faire, enfin pas la recherche, la fabrication. Je me demande si c'était comme ça aussi autrefois. Fabrication toujours qui met 300 ans. Brèche, je suis en train de parler. Oh, tu te calmes. Ça nous force à rester vigilant. Alors, armure exo, ça fait quoi? Si nous combinons. Pourrions mettre au point une variante lourde de notre armure blindée. Une variante lourde. Nous serons peut-être en mesure de l'équiper d'une arme lourde directement intégrée. Ah, tu me vends du rêve un petit peu. Et ça, c'est l'armure avec un grappin. Ouais. C'est bien pour les snipers, mais on va commencer par ça. C'est sur cette superbe victoire chez l'ennemi, directement dans leur vaisseau, que je vous laisse. Bonne continuation à vous. Surtout, n'oubliez pas, surveillez le ciel à la recherche de lumière suspecte. Et de bruit un petit peu. Si bon, voilà, forcément, il vient parler, lui casse les couilles. Ah bah, il a arrêté. Oui, donc, les lumières, mais aussi les bruits. Hein, c'est soit un fantôme, soit un ovni. Dans les deux cas, ne restez pas là. Allez, salut !